On fume notre barbecue. Je sais pas. Ben là, un beau travail nécessite de sombrer un peu la peinture et carré. Comme ça. Quelle sorte de pimpage tu nous fais là? Là, on s'est acheté des accessoires. Puis, on a comme l'intention de faire une figure neuve. Barbecue 1980. Fait que première étape, c'est le sablage. La première étape, c'est le sablage. Par la suite, nous allons lui appliquer une peinture du picolore. De couleur or. De couleur or à haute température. Couvrir la zone de cuisson. Par la suite, pour une finish authentique, la peinture en aérosol noir mat, intérieur-extérieur pour bois, qui fait pour le bois et le métal. Nous allons lui faire une finish spéciale. On a aussi, n'oublions pas, les outils importants, c'est le criard. Pour, afin d'avertir, quand le kit de lunch est prêt, il va se positionner comme celui-là, comme ça suit. Qui avertira les visiteurs. Dans le bout, dans le cap. Et voilà. Dans le bout, dans le cap. Alors. On te laisse poursuivre, Jonathan, puis on revient tout à l'heure pour valider l'état de tes travaux. Parfait. Je vais à la rivière pour pêcher du poisson zonzon. Rencontre une jolie fille qui s'en allait du long. La... Donc là, toi, Jonathan, la première étape de sablage est effectuée. L'étape de sablage est terminée. On va se préparer à appliquer une couche de primer du premier à peinture. En couche mince. Un petit carton pour protéger. Et on shoot, mesdames et messieurs, à Rimouski. Tout le temps, des petites shots. Jamais trop de primer, vous comprenez? Oh, on a ici encore gras. Fait que, de retour après la pause. Là, tu fais des pignolés, là tu fais mouiller, là tu fais des culottes, rigodés, rigodons, rigodaines. Touchez on, touchez pas, touchez-y, touchez-y pas, laissez ça l'homme avec pop, puis bonhomme le sarah pop, puis tape la... Ouais, rebonjour à Pimp ton barbecue. On est toujours à la pause du primer. Un petit truc que je viens de me rendre compte là, c'était bon pour te dégraisser avant. Ça serait pas pire. Parce que je me fais prendre moi là. Tu trouves certains corps gras à plusieurs endroits. Ouais, ben ça a de l'or, hein. Là, ça, vous y allez, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est... Tu le fais à ton image, ton Barbie, tu sais. Pis toi, ton image, ça se trouve être... Moi, c'est bling bling. Bling bling! Ouais, ça va être le concept est bling bling. Dans le fond, c'est parce que là, ça va être le concours annuel de Barbie. Ça arrive du mai. Avis aux intéressés. Là. Tout le monde amène son Barbie, puis let's go! On se lance dans un grand concours. Combien de temps peut prendre un projet comme celui-là, Jonathan? Ça dépend. Ça dépend de toi. T'es plus occupé à prendre une petite gorgée de frites. Ça se peut que ça soit long. Mais moi... La frette est importante dans un projet comme celui-là? Obligatoire. Obligatoire? Ça peut pas.
t'as pensé de prendre une petite. Puis, t'utilises quel modèle? La Carling, à 5,99 au dépanneur, le paradis de la bière. Ça, c'est de quoi, ça? C'est la moitié de l'ouvrage. Puis t'apportes la bisoune, puis t'approches encore, puis t'approches toujours. Moi, j'suis pas ça pour faire des farces, moi, j'suis pas ça pour rire. Ici, on a le produit final. Ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que vous pouvez le designer à votre manière. On y a rajouté un criard. Fonctionne très bien. C'est pour avertir quand la moulée est prête. Oh, un petit cri. Tout le monde attend. Ça a pris un après-midi, deux canettes de peinture noire, une canette de peinture or. Pour quel montant approximatif? Tout ça a été évalué avec le client. Tout ça a été évalué à un prix approximatif de 25$ chez Canadian Tire. Fait que sur ça, je vous laisse puis à notre prochain projet. On va en vendre en tabarnak.